L'audace, c'est d'abord assumer ce en quoi on croit. Oser se lancer, oser imaginer que l'on peut y arriver. Accepter ces différences intérieures et à la fois marquer des ruptures. Quitte tes repères habituels pour oser être toi. En fait, tu ne te rends pas compte à quel point tu es enfermé. Il y a des chemins inexplorés et qu'on a le droit et même parfois le devoir de s'aventurer dans ces terrains inexplorés. Sortir de sa zone de confort. Croire qu'on peut transformer encore une société. Fabriquer un frisson nouveau. Regarder l'avenir et essayer d'en déduire des éléments pour le présent. Il y a plein d'énergie. Il faut en fait les refocaliser dans le bon sens. Et une formule de Goethe que j'aime bien qui est « quoi que tu veuilles entreprendre, commence-le ». Parce que même si on ne réussit pas, en ayant osé, on apprend forcément quelque chose. N'écoutez pas les avis négatifs, forgez-vous votre propre opinion. La somme de ces émulsions aura produit un précipité rare d'humanité. Durant 2 jours, toutes les générations, des géants aux innocents, se seront retrouvées sur un même horizon.